Les choses ont donc avancé? Quoi? Tu étais sur le point d'appeler Monsieur Chetty? Non, Pocti, ce n'est pas ça. Ah bon? Donc il n'y a rien de spécial. Mais ça a avancé au point que tu admires sa photo de profil. Pourva, fais le premier pas. Appelle-le. Non, Pocti, ce serait bizarre. Pourva, oublie ce qu'il peut penser. Pense à ce que toi tu ressens. Tu seras heureuse, non? C'est ce dont j'ai vraiment peur. Aurais-je le droit d'être heureuse, hein? Ai-je droit à l'amour? Et au soutien? Pourva, tout le monde a l'opportunité d'être heureux. S'ils en ratent, une autre vient. Cependant, ce n'est pas le cas pour nous. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser passer une seule chance. Si tu ne veux pas appeler, envoie-lui un message. Pourva, un message. Non. S'il te plaît, juste fais-le. S'il te plaît. Attends, tu crois que c'est comme ça que ça va se passer? Je vais pas me laisser faire. Mais... Moi aussi, j'ai été ravi. Aller me chercher de l'eau. Chérie,
La carafe est vide. Je vais descendre. Tu as vraiment besoin d'emmener ton téléphone? Ah, c'est devenu une habitude. Désolé, je vais chercher de l'eau. Tellement ravie de t'avoir rencontré. Merci d'avoir donné ton numéro. Waouh! Pourva, tu dois répondre. Non, Pogti. J'ai déjà dit bonne nuit et c'est assez. Allons dormir. Mais seulement un message. Non. Je te dis qu'on doit dormir. Viens. Allez. Tiens, chérie. Tu veux quelque chose d'autre? Chérie, c'est un appel très important, je dois répondre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu si peu professionnel? Ma femme ne va pas bien. Je dois te répondre au lieu de m'occuper d'elle? Si tu me rappelles en dehors des heures de bureau, je vais te renvoyer. Rien n'est plus important que la santé de ma précieuse femme. Plus d'appels. Compris? Merci. Je pense que je manque beaucoup à mon bébé. Je me trompe? Ça fait un an qu'elle est avec moi. Elle a sûrement développé des sentiments. Je ne pense pas que tu aies un cœur de pierre. Que dites-vous? Eh bien, il se trouve que tu m'as appelé 5 fois hier soir. Ça prouve clairement que le petit chouchou d'Ahan est faible devant la fortune de Giant. Je ne vous ai pas appelé. Quoi? Mmh. Mmh. Donc ça veut dire que c'est encore un coup de ta mère. Maman, tu as appelé Monsieur Giant avec mon téléphone? Comment le sais-tu? Il a rappelé? Il a dû croire que c'était toi. Il a dit quelque chose? Des choses romantiques? Maman, pourquoi tu fais ça? J'essaie juste de réparer l'erreur que tu as faite.
Il ne vient plus et il n'appelle plus depuis ton anniversaire. Bientôt, il n'y aura plus d'argent non plus. Pankti, plus tu essaies de le fuir, plus je le ramènerai vers toi. Tu peux faire ce que tu veux. Pankti a déjà fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, c'est mon tour. Ni votre Giant, ni même son ombre ne pourront plus atteindre Pankti. Oui, mon garçon. Giant Dhanrajgir, il y en a plus qu'assez de toute cette mascarade. Parlons comme deux hommes. Il est finalement temps de libérer Pankti. Rejoins-moi sur l'autoroute dans une demi-heure. Regarde bien autour de toi. Tu n'auras plus à rester ici très longtemps. Très bien, mon garçon. J'ai toujours accepté tout ce que tu me disais. De même cette fois-ci. À présent, je vais te montrer comment se comporte Giant Dhanrajgir. Ce sera donc un duel. D'homme à homme. Tout se fera. D'homme à homme. Junior. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Parce que cette conversation ne peut avoir lieu à la maison ou au bureau. Eh bien, tu aurais pu me faire venir dans un café. Ça te pose un problème ? Tu as commis le mal en privé. Alors j'ai voulu te parler seul à seul. Après avoir fait un drame devant toute la famille, tu veux encore parler, c'est ça? Pardon. Je voudrais m'excuser. J'ai été grossier. Et j'ai vraiment trop parlé. J'ai même élevé la voix. Je suis désolé. Mais je n'en pouvais plus. C'est vrai que ce que je ressens pour Pankti est un amour véritable, mais plus vrai encore. Toute ma vie,
Je crois que je t'ai aimé le plus. Plus que mon père. Plus que le monde entier. Plus que tout le monde. Voilà pourquoi. Quand je suis sorti de cette illusion, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas tolérer que la personne que je vénérais à ce point soit un monstre comme ça. Bien que tu sois marié, tu as commis cet acte ignoble. Tu as été jusqu'à tromper ta femme qui t'a aveuglément fait confiance. Elle n'a jamais eu aucun doute sur toi. Tu étais un dieu. Et ça pour nous tous. Nous serons tous couverts de honte. Tout ça est insignifiant pour toi. Mais sûrement pas pour moi. Parce que Pangti est quelqu'un que j'ai aimé sans vraiment comprendre ce qu'il se passait. Sans savoir la vérité, sur elle ou sur toi. C'est vrai que ta relation avec Pangti est plus ancienne que la nôtre. C'est une relation d'affaires. Hélas, maintenant, c'est du passé. Je n'étais pas là. Aujourd'hui, tout a changé. Je suis là. C'est pourquoi je veux tout oublier. Toute cette haine. Je ne suis pas là pour une dispute. Je viens te demander de laisser Pangti tranquille. Elle était à toi jusqu'à hier soir. Mais c'est fini maintenant. Elle ne veut pas vivre avec toi. Elle veut vivre avec moi, et c'est ce que je veux aussi. Sa joie. Et son sourire. Sa liberté. Liberté. Après un aussi long discours. Si tu penses que je la laisserai venir vers toi, alors tu ne me connais toujours pas, Julien. Ce qui est à moi ne peut aller vers quelqu'un d'autre. Quand je marque mon nom sur quelqu'un, alors personne ne peut réclamer ce qui m'appartient. Elle m'appartient. Ma possession. Ce n'est pas un billet tombé dans la rue que quiconque peut récupérer. Ah, n'oublie pas que toi, tu t'es immiscé dans notre vie. Tu es l'indésirable qui parasite notre maison. Nous étions tellement heureux ensemble. Prison et pas maison. Oui. Les murs de cette prison sont bien plus élevés que toi, Anne. Peut-être. Mais pas plus que mes intentions. Je te le répète encore une fois, libère Pangti. On ne libère que ceux qui sont enfermés. Pangti n'est pas enfermé. Sa mère en est la preuve. Pangti est avec moi de son plein gré. Elle le fait pour sa mère, pas de son gré. Jaillante pour le bien de tout le monde. Laisse-la partir. Ou si tu continues à t'obstiner, je te l'arracherai moi-même. Sache bien que ni ton pouvoir ni ton argent ne pourront m'arrêter. Waouh, mon cher Junior. Où est passé ton beau discours? Tu parles d'arracher.
Arracher quelque chose, c'est voler. Et profiter d'une personne sans défense, c'est de l'atrocité. Je ne profite pas d'une personne sans défense, Anne. J'ai payé pour ça. Une très grosse somme. Elles avaient besoin d'argent. Et je voulais goûter autre chose. Je leur ai juste donné ce qu'elles voulaient. Tu as raison. Mais si tu avais réglé ça comme un homme normal, tu l'aurais aimé et soutenu. Les choses auraient été différentes. Mais tu as préféré la torturer. Chaque jour et chaque seconde. Tu lui as peut-être épargné la vie. Mais tu as usé de tous les stratagèmes pour essayer de la tuer. Alors je te le redemande. Laisse-la partir. Maintenant. Tout de suite, Giant. Très bien. Je vais la libérer. Jayant Dhanrajgir va libérer Pankti Sharma pour Ahan Dhanrajgir. Cependant, qu'est-ce que je gagne, moi, en retour? Comment? Excuse-moi, mais je l'ai nourrie. J'ai pris soin d'elle et je lui ai donné un toit. Je l'ai habillée et ornée des plus beaux bijoux qui soient. Anne, tu l'as reçue dans de très bonnes conditions. J'ai payé pour ses dépenses. Je l'ai entretenue, Monsieur Ahan Dhanrajgir. Et il y a des frais d'entretien. Tu es encore plus ignoble que je ne le croyais. Ahan, ne crie surtout pas! Pankti n'est pas une esclave, elle ne s'achète pas. Bien sûr que si, c'est mon esclave, Ahan. Et tu es venu la demander. C'est pourquoi moi, Jayant Dhanrajgir, en toute conscience, je déclare que je suis prêt à céder Pankti à un nouveau client. Le prix à payer est de 100 millions de roupies. Millions. Et tu peux la récupérer. Mais d'où sors-tu ce chiffre? Fais le calcul. Sur papier. La maison dans laquelle Pankti vit vaut 30 millions. Les voitures avec lesquelles elle se déplace s'estiment à 10 millions. Toutes les petites dépenses pour elle jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 10 millions. Les bijoux comptent pour à peu près 10 millions. Les habits à 5 millions. Un voyage à Dubaï pour 2 millions. Maintenant, ajoute les intérêts. En tout, ça nous fait une somme de 137,5 millions. Mais, comme tu es mon neveu,
Je t'accorde une remise. Faisons une chose. On va donc arrondir la somme à 100 millions. Donne-moi 100 millions et emmène-la. Pankti et sa liberté seront tout à toi. Tu racontes n'importe quoi! Ce n'est pas n'importe quoi, Han. Je conclus un deal. Pour autant que je sache, ce deal n'est pas compliqué. C'est juste une histoire de 10 jours. Et seulement 100 millions. Simple, non? 100 millions. Dans 10 jours. Tu es complètement fou. 100 millions en 10 jours. Voilà pourquoi j'ai imposé ma condition. Que puis-je faire? Tu me demandes... ma douce Pankti. La chose la plus précieuse que j'ai. Je l'empêcherai... de partir à tout prix. Qu'y a-t-il? Tu sembles inquiet. C'est la règle dans les affaires. Payer l'article à sa juste valeur. Mon article. Mes conditions. Han. Qu'y a-t-il? T'en as fini avec l'amour? Tu voulais m'enlever Pankti. Très bien. J'ai même cessé mon obstination. Et je... t'ai aussi appris que... l'argent peut t'offrir... tout ce que tu veux. L'argent peut t'offrir... tout ce que tu veux. L'argent peut t'offrir tout ce que tu veux. L'argent peut t'offrir tout ce que tu veux. Je te libérerai de tout ce qui t'empêche de mener une vie normale, Pankti. C'est bon, j'accepte. J'accepte toutes tes conditions. Réfléchis. Tu es incapable de gagner un seul roupie. Où trouveras-tu 100 millions en 10 jours? Ça, c'est mon problème. Dans 10 jours, je te prendrai Pankti contre les 100 millions. Je te le promets. Attends, Junior. Je n'ai pas fini. J'ai encore une condition. Si tu n'arrives pas à payer les 100 millions en 10 jours, alors tu devras te marier avec la fille de mon choix. Tu devras arrêter de rêver d'être avec Pankti, est-ce que c'est compris? Et ne plus jamais interférer entre moi et Pankti. Car elle est à moi, exclusivement. N'oublie pas, seulement à moi, Anne.
Non. Ce sera Pankti ou personne. Non. Je refuse cette condition. Oh, mais tu es bien obligé d'accepter, Han. Parce que tu n'as guère le choix maintenant. Sache que si j'informe la police, je peux récupérer Pankti en un rien de temps. Et si tu t'avises de faire quoi que ce soit de ce genre, alors... Sache que je peux exposer Pankti et ternir sa réputation. Je peux ruiner sa vie. Je peux la dénigrer à un niveau que tu n'imagines. Même pas. Par conséquent, tu n'as plus du tout le choix. Paye-moi. Et prends-la. En passant, tu as toujours essayé de motiver Pankti, non? Mais laisse-moi te motiver aujourd'hui. Il se peut que dans les 10 prochains jours, tu seras si triste et déçu que tu pourrais même toucher le fond. Et si c'est le cas alors, rappelle-toi de la chanson. Pourquoi avoir peur quand on aime? Pourquoi avoir peur quand on aime? Je n'ai pas peur. Je me demande juste à quel point la fierté peut rendre les gens fous. Jusqu'où peut-on s'abaisser pour sauver les apparences? Je croyais qu'il restait un peu d'humanité en toi. Mais si tu m'aimais vraiment comme tu le dis, tu m'aurais remis celle que j'aime. On peut attendre quelque chose d'un humain, mais pas d'un animal. Oui, tu es un animal. Un démon. Je dois sauver Pankti de tes griffes. Je le jure sur ma mère. Je t'arracherai Pankti Sharma. Je trouverai les 100 millions en 10 jours. Anne, Anne, Anne! Je n'en peux plus de ce nom. Anophobie. Avant lui, j'avais une vie tranquille. Ce garçon a tout ruiné. La poisse. Et toi, tu es tombée amoureuse de lui. Tu as trahi Monsieur Giant. Tu n'as pas honte? Tu vends tes propres filles. Et tu oses me demander si j'ai honte? Pour moi, c'est pas grave. Mais pourquoi as-tu entraîné Pourva dans toutes tes manigances? Pourquoi es-tu allée voir Madame Jasmine? Et la trahison? De quelle trahison tu parles? J.D. a fait faire à Pankti plus que ce qu'il t'a payé pour tout ça. Toutes ses volontés. Il a fait faire sur ses airs, chaque fois qu'il le voulait. Quand il se fâche contre sa famille, son travail ou autre chose, il déverse sa colère sur elle. Les cicatrices sont encore sur elle. Tu veux les voir? Non? Compte chacune de ses blessures, maman. Pankti a payé bien plus que J.D. en supportant toutes ses tortures. Et tous ses coups qu'il lui infligeait. Thank you.
Pourquoi tout est aussi calme ici? Aujourd'hui est pourtant un jour propice. Les vieilles choses sont vendues à très bon prix, vous savez. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Monsieur Giant? Félicitations, bébé. Félicitations. Tu es un formidable investissement. Les gens mettent des photos en ligne pour vendre des biens d'occasion. Ils font aussi d'autres choses. Alors que toi, tu es racheté. Et ce, sans courtier. Un avocat. Junior, tu ne me fais pas confiance? Plus depuis quelque temps, Monsieur Giant Dhanrajgir. Tu es devenu malin. Monsieur Giant, c'est quoi tout ça? Devrais-je lui dire ou tu... Signe le contrat. Elle demande ce qui se passe, explique-lui. Tu as juste à signer le contrat. Tous tes termes et conditions y sont détaillés. Impressionnant. C'est un contrat de revente. Je croyais que... tu n'avais rien appris de moi pendant toutes ces années, et ben... Bien joué, Junior. Mais... tu te rappelles de la principale condition? 100 millions. Qu'est-ce qui se passe? Signe les papiers. Junior, je connais la loi. Une fois les papiers signés, si tu ne me payes pas les 100 millions dans 10 jours, le bien revient au vendeur. Ne t'en fais pas. Tu auras ton argent. Commençons le compte à rebours. Tu t'en rappelles? Un signe. À chaque fois que j'engage un nouveau chanteur, je lui remets cette pièce comme porte-bonheur. Tu m'as donné ça pour me porter chance. Désormais, je te remets le même porte-bonheur. Parce que ta malchance vient de commencer avec ce contrat. Le reste à payer, 99 999 999 roupies. Et Pankti sera complètement libéré.
Très bien. Mais si le paiement n'est pas effectué, Pangti sera mon esclave pour le restant de sa vie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, toutes mes excuses. Je vais te le dire. Aran va te racheter à moi-même. Et ton prix est de 100 millions.